en a parlé. Merci. Mon frère Arnold, par exemple, tu aimes tellement les fourmis. Tu aimes tellement les fourmis. Ah, mais les fourmis sont en train d'être tuées par les lions, par exemple. On est en train de tuer, de les écraser. Ah, qu'est-ce que je vais faire pour les aider? Alors tu décides de laisser ta forme humaine et de prendre la forme d'une fourmi pour aller délivrer les fourmis. Est-ce que tu vois un peu ce que tu perds comme priorité? Par amour pour les fourmis. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il laisse ce qu'il est, il laisse sa gloire, il laisse sa puissance, il laisse son autorité. Il laisse tout ce qu'il a comme privilège et il vient prendre la forme des hommes, habiter au milieu des hommes, marcher au milieu des hommes, parler avec les pécheurs, par amour pour les pécheurs. Vous voyez? Il ne s'est jamais plaint. Quand on lit tous les évangiles, pour vous qui lisez les évangiles, si vous les avez toutes lues, vous allez tous lire un évangile. Un. Vous les avez tous lus. Alors, vous allez vous rendre compte que Jésus ne s'est jamais plaint. On ne voit pas un Jésus qui se lamente. Ah, mais pourquoi je suis ici? Mais ces hommes, ils me fatiguent. Non, on voit un Jésus plein de compassion. On voit un Jésus qui s'arrête avec les prostituées. On voit un Jésus qui s'arrête avec les voleurs. On voit un Jésus qui va vers. Vous voyez? Alors que quand on a étudié l'Ancien Testament, on s'est rendu compte, une des choses que je vous avais donné comme information, c'est que la Bible ne nous dit pas que Israël avait réussi dans sa mission. Donc quelque part, Israël avait échoué dans le fait de représenter cette identité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient perdu, ils n'avaient pas réussi dans leur mission. Ils s'étaient éloignés de ce peuple alors qu'ils devaient les influencer. Jésus vient, il vient reproduire le modèle parfait. Jésus vient nous montrer qu'écoutez, on laisse sa gloire, on laisse son autorité, on laisse ses privilèges et on prend la forme d'eux. On essaie de ressembler à, on essaie de manifester de l'amour, on manifeste de la compassion, même pas on essaie, on manifeste de la compassion pour. On quitte le confort que nous possédons et on va vers. C'est important, frère, d'imiter le modèle qui est Christ. Jésus a tout laissé pour nous. Et c'est vraiment ça, je voulais encore revenir sur ça parce qu'on ne peut pas être un missionnaire et puis vouloir toujours son confort. Je vous ai partagé une de nos expériences. On était allé dans un village quelque part. Je vous dis, mais c'est pas de confort. Vous retrouvez dans des situations où vous dites comment, waouh. Et puis vous réalisez que non, mais j'aime Dieu pour me trouver dans ce genre d'endroit. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre parce que c'est par amour que vous le faites pour le Seigneur. À Dakar, il y a une jeune femme qui m'a marqué, une Canadienne. Elle a quitté son confort du Canada, le froid du Canada. Je ne sais pas, cette ambiance peut-être qu'elle a au Canada. Elle est venue en mission au Sénégal. Elle quitte Dakar, elle va dans les villages. Et la ville, la région dans laquelle elle est allée faire sa mission, c'est une région fatigue. C'est une région très, très, très... Il fait très chaud à cet endroit. Je vous dis, il fait chaud, frère, il fait chaud. Vous n'avez pas besoin même de feu. Vous mettez seulement votre marmite avec de l'eau. Ça va, vous allez faire votre tasse de café, vous allez cuisiner. Il fait tellement chaud que même moi je reconnais que c'est dur, Seigneur. Mais je vois cette femme, elle quitte le Canada, elle va là-bas. Et alors que les autres veulent la mettre à l'aise, elle dit non, ça va. Je suis là pour servir mon Seigneur. Vous voyez? Donc Jésus nous montre le modèle. Et si on veut être des missionnaires selon Dieu, on doit oublier un temps soit peu notre confort. On ne doit pas se plaindre quand on nous dit, bon écoute, mon frère, papa c'est... Ah, Paul. Ah, papa Paul, tous mes respects, Paul. Ah. Alors on dit, mon frère Paul, on vous envoie, je ne sais pas, au Bandoudou. Ça existe Bandoudou aussi, non? J'ai bien prononcé. Voilà, il faut que je sois quinoise comme vous, mes frères. On vous envoie au Bandoudou. Et là-bas, vous devez aller faire votre mission. Mais vous vous rendez compte que les conditions que vous trouvez là-bas ne sont pas agréables. Frères et sœurs, ne nous plaignons pas. C'est pour le Seigneur que nous y sommes. Et c'est ça la mission. Être en mission, c'est oublier son confort. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Amen. Jésus-Christ, le missionnaire parfait. Quand on parle de modèle, on parle de ce qu'on doit imiter. Donc il est question qu'on imite Jésus dans sa façon de faire. Jésus-Christ, ensuite... Quand on regarde les évangiles et on voit Jésus, comment il a travaillé, on se rend compte que Jésus, quand on le met
je ne sais pas si je dois dire à côté, comment je vais dire ça? Voilà, Jésus est le missionnaire parfait. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va décider d'envoyer maintenant des hommes aussi dans sa mission. Il va former des hommes. On voit un Jésus pendant 3 ans qui prend le temps de former des hommes qu'il doit envoyer, des hommes et des femmes qu'il a mis à part. Jésus n'a pas envoyé les 12 comme ça. Jésus n'a pas envoyé les 70 comme ça. Non, Jésus a pris le temps de les former. Donc on ne peut pas être un missionnaire sans être formé. C'est important de connaître, d'aller se faire former. C'est important de comprendre c'est quoi la mission. C'est important de comprendre pourquoi je vais en mission. C'est important de comprendre c'est quoi le fardeau, sinon le message que Dieu me donne dans ma mission. C'est important. Cette formation est très, très importante. On ne peut pas aller en mission sans être formé. Jésus-Christ forme des hommes et les envoie. Notons-le, Jésus-Christ n'a pas envoyé des hommes sans formation. Il a pris le temps de leur donner tout ce dont ils avaient besoin pour être envoyés. Jésus a pris tout le temps. C'est pourquoi alors que vous êtes là, dans cette classe que le pasteur David a décidé de mettre en place avec certainement tous les responsables, profitez de tout ce que vous recevez comme information parce que cela vous sera utile dans ce que vous faites en ce qui concerne la mission. Il y a des choses que j'ai apprises quand je suis allé me faire former en missiologie. Il y a des informations, il y a des notions, il y a des concepts que j'ai appris qui m'ont aidé à ne pas tomber dans certains dérapages. Vous voyez? C'est important. Parce que quand on regarde sur le champ missionnaire, il y a des missionnaires qui font honte à la mission de Dieu. Ils vont sur le terrain de la mission et ils sont l'anti-message de ceux qui prêchent. Alors ils vont sortir avec toutes les femmes, alors ils vont être très orgueilleux, ils vont pas avoir l'éthique en ce qui concerne un bon missionnaire, ils vont faire ce qu'ils veulent. Nous sommes allés avec le pasteur Zita, l'année dernière nous étions dans le bas Congo vers la frontière de l'Angola. Nous sommes arrivés là-bas et nous étions avec un pasteur qui se plaignait de plusieurs pasteurs qui étaient arrivés dans cette région, dans cette contrée pour faire la mission. Ils se plaignaient de leur comportement. Ils se plaignaient de leurs attitudes. Il nous a même informé qu'à cause d'eux, 2 églises avaient été fermées. Pourquoi? Pas de formation. Donc, ne partons pas en mission parce que, j'ai reçu l'appel. Si on a reçu l'appel, faisons-nous former. Amen. C'est vraiment important la formation. Jésus-Christ nous montre qu'il est au cœur de la mission et qu'il a été envoyé. Jean chapitre 20, verset 21, nous allons lire. Jésus lui-même a été envoyé. Personne ne se lève un matin pour dire, moi je vais en mission comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui t'envoie. Toujours quelqu'un qui t'envoie. Jean 20, verset 21. Jean 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, Jean 20, le verset 21. Je vais lire pour nous tous alors. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus leur dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Vraiment, le Père m'a envoyé. Je ne suis pas venu seul. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est important de comprendre que Jésus est le modèle parfait parce qu'il nous montre vraiment les étapes qu'il faut suivre dans la mission. On est formé, on est envoyé. Amen. Jésus a été envoyé. Alors quand on sera sur le champ missionnaire, il faut veiller à cela. Qui vous envoie? Je vous ai un peu brossé le premier jour mon portrait. Je suis la responsable d'une vision qu'on appelle MEG. MEG qui signifie Mission Espérance des Générations. C'est une vision que Dieu a mis dans mon cœur en 2014. Dieu a fait monter dans mon cœur comme c'était le cri des missionnaires. J'entendais dans mes oreilles comme des missionnaires qui criaient, qui criaient à l'aide, qui avaient besoin d'aide, qui étaient découragés. Et Dieu m'a dit, travaille dans ce couloir-là. Alors depuis 2015, nous avons commencé à sillonner des endroits pour aller au contact des missionnaires. Et j'ai découvert 3 catégories pour le moment de missionnaires sur le champ. Il y a des missionnaires qui sont envoyés par leurs églises locales. Ici, le centre de la cité des changeurs, la cité des changeurs, envoie le frère, le serviteur de Dieu, Paul, à l'ouest de la RDC. Il est envoyé et normalement, il doit être soutenu par l'église qu'il envoie. Il y a une deuxième catégorie
Ils sont envoyés, elles sont envoyées par l'église locale, mais après 6 mois, 7 mois, 1 an, deux fois l'église oublie le missionnaire. Donc le missionnaire ne reçoit plus de soutien. Le missionnaire ne reçoit plus rien. Il est abandonné à lui-même. Ah, c'est la deuxième catégorie d'hommes et de femmes que j'ai rencontrés sur le champ missionnaire. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui un matin se lèvent, ils ont senti un besoin dans leur cœur d'aller dans un endroit. Et c'est pressant, Dieu leur a dit d'aller. Et ils sont allés comme ça. Ils sont allés comme ça. Parce qu'ils ont entendu Dieu. Ils sont allés sur le champ commencer une mission. Et c'est la troisième catégorie. Ils n'ont personne qui les soutient. Ils comptent seulement sur Dieu. Seigneur, tu m'as envoyé. Soutiens-moi. Ça existe, cette catégorie de personnes. Et je fais partie de cette catégorie. Je fais partie de cette catégorie parce que mon église locale m'a recommandé, ils ont reconnu le fardeau de Dieu sur ma vie et puis ils m'ont relâché pour le ministère auquel Dieu m'appelait. Alors maintenant, j'entends le Seigneur me dire, va à tel endroit comme je suis ici au Congo. Ce n'est pas une église qui m'a envoyé, c'est le Seigneur qui m'a dit, lève-toi, pas. Alors je suis là et c'est vraiment le Seigneur qui prend soin. Et c'est extraordinaire de vivre aussi cette dimension de la foi. Voyez? Et donc, dans ces trois catégories de personnes, c'est important d'être envoyé par quelqu'un. Au-delà de l'église qui vous envoie, au-delà de l'église qui vous envoie, d'une mission même qui vous envoie, parce qu'il y a aussi des centres missionnaires qui envoient des missionnaires. Au Brésil, on rencontre beaucoup de centres missionnaires. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de centres missionnaires où c'est une structure où on a des missionnaires à l'intérieur. Alors on décide aujourd'hui, on va envoyer le frère Paul au Ghana. Et c'est ce centre missionnaire qui prend soin de vous, qui vous donne le billet, qui vous paye un véhicule, paye la maison, etc. Mais au-delà des centres missionnaires, au-delà de l'église locale qui vous envoie, frère, il y a Dieu qui vous envoie. Il faut toujours se souvenir qu'au-delà de l'église, au-delà du centre missionnaire, Dieu est celui qui m'a mandaté. C'est pourquoi quand vous vous levez pour partir, soyez en phase avec le Seigneur. Parce que quand les temps difficiles vont arriver, quand il n'y aura plus de soutien que vous allez recevoir d'une église, d'un endroit, de quelqu'un, frère, comptez sur Dieu qui vous a appelé. Faites-lui confiance pour prendre soin de vous. Ne tombez pas dans des dérapages pour dire non, bon, je vais changer le message. Nous allons parler de ce point tout de suite. Je vais changer le message de la croix. Je vais changer le message de l'évangile. Et je vais rentrer dans certains raccourcis pour trouver un peu d'argent pour nourrir ma famille. Non, le Dieu qui vous a envoyé est capable de prendre soin de vous. Il est capable de vous soutenir. Il est capable de vous aider. Donc comptez sur lui au-delà de tout. Alléluia. Et nous parlons donc maintenant du message de la mission. Jésus-Christ est au centre du message. Jésus-Christ est au centre. Toute l'histoire de la Bible nous parle de Jésus. Il est au centre de notre message. Sa mort et sa résurrection, la repentance et le pardon des péchés sont essentiels à transmettre. On ne peut pas être un missionnaire qui va sur le champ et on vit avec notre « j'ai mon message ». J'ai mon message. Non, le message est le même. Le message ne change pas. Le message est le même, il ne change pas. C'est ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Les Juifs, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. Les Juifs demandent, à partir du verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, voici ce que nous faisons. Nous prêchons Christ crucifié. Donc, c'est vrai qu'eux, ils sont à la recherche des miracles. C'est vrai qu'eux, ils veulent nous voir, je ne sais pas, dire ou penser certaines choses. Nous, on ne va pas se laisser influencer par ce qu'ils demandent. Nous connaissons le message que nous prêchons. Notre message, c'est Christ et Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Amen, mon frère. Et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Le message de la croix. Le message de Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts, c'est notre message. On ne peut pas changer le message. Frère, ne changeons pas le message. Dans la mission, nous n'avons pas de message. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire de Christ. Dans l'Ancien Testament, on nous montrait des théophanies, des images de Christ. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé aux hommes.
Et le message reste le même pour toujours, pour l'éternité, jusqu'à ceux qui viennent chercher son église. Le message ne change pas. Qu'on soit au Congo, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit au Gabon, au Cameroun, aux États-Unis, en Inde, en Australie, le message de la mission ne change pas. Jésus-Christ est au centre de notre message. Jésus-Christ est au centre de notre prédication. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. La repentance et le pardon, c'est ce que Pierre a fait. Pierre commence à prêcher l'évangile. Il n'a pas donné 4 messages. Il vient nous parler de la repentance. Repentez-vous. Alléluia. On ne peut pas accéder à la vie de Dieu sans la repentance. Ça commence par là. Et c'est vraiment le message que nous devons partager. Luc chapitre 24, à partir du verset 46. Oui. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait mort au troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans son nom à toutes les nations, à commencer par Israël. 48. Amen. Bienvenue Marie. Tu m'as manqué ma soeur. Oh, je suis contente de vous voir. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Voyez, Jésus s'en va. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit aux disciples, écoutez les amis, il est écrit. Jésus est venu accomplir. On sert un bon Dieu. Il est venu accomplir. Il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi. C'est pourquoi il est la fin de la loi. Il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3. C'est écrit, David en a parlé, les prophètes en ont parlé, Ésaïe en a parlé. C'est écrit, on ne change pas ce qui est écrit. Ma Bible est où? Je ne l'ai pas apportée. On ne change pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, frère, c'est écrit. Et tout le conseil de Dieu se trouve dans ce message. Tout le conseil de Dieu se trouve dans cette parole. Donc il n'y a rien qui soit nouveau sous le soleil. Ce qui est écrit est écrit. Il est écrit. Et je viens accomplir le « il est écrit ». Jésus dit, donc Jésus parle aux témoins, Jésus parle aux envoyés. Il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Alléluia. En son nom. La repentance et le pardon. Vous savez, vous allez rencontrer, peut-être même vous les rencontrez quand vous partagez la parole de Dieu, l'amour de Dieu avec des personnes. Ils vont vous dire, donc, vous voulez nous dire que toutes les religions sont fausses. Ce n'est que votre foi qui est vraie. Frère, il n'est pas question de ce que je pense. Il est écrit. Le pardon des péchés, c'est en son nom, en un seul nom, le nom de Jésus. Donc, ce n'est pas ce que moi je pense qui est important. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi un missionnaire doit savoir ce qui est écrit, de peur d'être emporté à tout vent de doctrine. Qu'est-ce qui est écrit? C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui, en son nom, que nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. C'est en lui et en lui seul. Alors, peut-être que c'est osé, mais je voudrais le prêcher et le prêcher encore en disant, il est écrit, tous les péchés, le péché en lui-même perd sa puissance dans le nom de Jésus. C'est un message de gloire, de puissance, d'autorité, de salut. Alléluia. C'est pourquoi un missionnaire doit être un missionnaire qui doit être conscient du message qu'il porte. C'est un message d'espérance que nous portons. Ce n'est pas un message d'abattu, de perdu, de découragé. Non, c'est un message d'espérance, ma soeur. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les péchés sont pardonnés. En son nom,
Les vies sont transformées en son nom. Les prostituées changent d'identité en son nom. Les meurtriers changent d'identité en son nom. Les vies sont transformées. Nous devons être conscients de ce message. Parce que si nous ne sommes pas conscients du message, comment est-ce que nous allons convaincre les cœurs? C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, mais quand vous partagez le message, vous-même, vous avez besoin d'être convaincu de ce que vous dites. Si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, comment vous allez convaincre les autres? Hein, maman? Il faut être convaincu de son message. Il faut avoir foi en ce message. C'est pourquoi Paul ne se laisse pas désarçonner. Paul répond aux Juifs, il répond aux Grecs. Il leur dit, écoutez, vous cherchez des miracles, vous cherchez cette sagesse, mais moi, je sais en quoi je m'appuie. Alléluia. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Il dit, et là, il continue au chapitre 2, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jésus-Christ est la puissance manifeste de Dieu. Jésus-Christ est la main tendue de Dieu vers les hommes, vers les pécheurs. Jésus est cette puissance-là. Donc, je sais en quoi je m'appuie. Je connais la profondeur du message que je prêche en tant que missionnaire. Et je ne me laisse pas corrompre. Je prêche ce message et je le prêcherai encore. Alléluia. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous d'être des porteurs fidèles de ce message de la croix. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est au centre du message. Nous devons déjà le retenir. Il est au centre du message. Et l'autre point que nous voulons voir, c'est que nous partageons un évangile holistique. Ça veut dire qu'il concerne toutes les dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Notre message n'est pas juste un message qui vient toucher l'âme. Il faut que l'âme soit transformée. Il faut que l'âme soit restaurée. Il faut que l'âme soit guérie. Non. Nous avons un message qui touche toutes les dimensions de l'homme. Nous voyons un Jésus qui enseignait des hommes. Nous voyons un Jésus qui nourrissait des foules. Et vous le savez, je pense qu'on en a parlé aussi. Nous voyons un Jésus qui s'est occupé des besoins concrets des gens. Vous voyez? On voit un Jésus qui s'est occupé. Donc, on ne peut pas être un missionnaire. On arrive dans un endroit, on est missionnaire, et puis on s'occupe juste de l'âme des gens. Je suis un missionnaire, mon objectif, c'est que les gens soient sauvés. Oh, non. On doit être un missionnaire équilibré. On doit être un missionnaire comme Christ. On doit, écoutez, Jésus est le modèle parfait, n'est-ce pas? On doit imiter le modèle. On doit imiter le modèle. Quand on voit Paul qui invite l'église à soutenir d'autres églises qui étaient dans le besoin. On voit un Paul qui n'est pas resté juste à enseigner. On voit un Paul aussi qui se préoccupait de la situation de ceux qu'il entendait. C'est pourquoi il allait même jusqu'à travailler. Pourquoi? Pour avoir un peu quelque chose pour subvenir non seulement à ses besoins, mais aux besoins des autres. En tant que missionnaire, nous devons comprendre cela, mon frère. Dieu ne nous attend pas juste à venir guérir l'âme des gens. Soyons aussi des missionnaires qui prenons soin de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. C'est important. C'est pourquoi un missionnaire on en a parlé le premier jour, un missionnaire sans amour, je ne sais pas. Un missionnaire dans la vie duquel il n'y a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne parle pas. L'amour de Dieu ne se manifeste pas. Je ne sais pas quel genre de missionnaire c'est. Non, la force du missionnaire, c'est l'amour qu'il a pour les autres. L'amour qu'il a pour ses semblables. La force du missionnaire, c'est l'amour qu'il a pour ses semblables. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Par amour, il veut voir des vies guéries, des vies restaurées, des vies transformées. Par amour. Il veut voir des hommes sortis de leur pauvreté. Par amour, il veut nourrir. Par amour, par amour, par amour. Alors, quel type de missionnaire seras-tu? Quel type de missionnaire seras-tu demain, quand Dieu va t'envoyer? Quel type de missionnaire seras-tu demain, quand tu vas arriver dans un endroit? Pense à ce qu'on est en train de dire ce matin. Ne t'occupe pas juste de toi, du message que tu donnes pour l'âme. Sache que ton message, il est holistique, il touche toutes les trois parties de l'être humain. Il doit travailler pour toutes les parties. Il doit répondre aux besoins de sa communauté. Amen. C'est aussi ça qui ouvre la porte à l'évangile. Deux fois vous arrivez, comme je vous ai donné ce témoignage de cette Brésilienne,
Pour ceux qui étaient là le premier jour, je pense qu'on en avait parlé. La Brésilienne qui est arrivée dans un village à Dakar, et puis elle trouve, c'est un village de lépreux. Et elle dit, comment je vais gagner ce village? Comment le message de l'évangile va arriver dans ce village? Et là, le Saint-Esprit lui dit, témoigne seulement de l'amour aux gens. Pour ceux qui savent c'est quoi la lèpre, c'est, comme dit mon pasteur, c'est une maladie difficile. C'est une maladie difficile. C'est les personnes qui souffrent de la lèpre, des fois voient les doigts se couper, les odeurs très nauséabondes qui sortent de leur corps parce que le corps ça tombe. C'est vraiment. Alors Dieu lui dit, témoigne-leur de l'amour. Là, elle n'avait pas besoin de venir parler. Oh, Jésus vous aime. Si vous êtes blessé dans votre cœur, non, il serait guéri. Non, il fallait seulement qu'elle témoigne de l'amour à ces personnes. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers. Elle a commencé à panser leurs blessures. Il y en a même d'autres qu'elle a. Que Dieu nous donne cette dimension, frère. Sérieusement. Elle a serré les autres dans les bras. Les gens ont été touchés parce qu'ils se sont dit, ah, ce n'est pas une Africaine comme nous. Ce n'est même pas une soeur sénégalaise comme nous. C'est une blanche qui revient du Brésil. Et c'est cette femme qui arrive dans notre village, qui font ce que même nos frères noirs n'ont pas fait. Elle nous serre dans ses bras. Tout le monde a été ému par cet acte. On lui a donné non seulement un terrain, mais on lui a donné tout un endroit où elle pouvait construire une école. Et aujourd'hui, cet endroit est gagné par l'évangile. Pas parce qu'elle est venue dire, oh Jésus, oh, donnez vos cœurs à Jésus. Non, des fois, on n'a pas besoin de crier. Témoignons de l'amour aux gens. Alléluia. Ce qui a marqué le passage de Jésus sur la terre, c'est comment un saint peut aimer un pécheur. Moi-même, ce qui me frappe, c'est comment un saint peut aimer un pécheur comme moi. Ça me dépasse l'amour de Dieu. C'est pourquoi on dit, c'est insondable, incommensurable. Et on vient de fêter la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais les souffrances, quand on regarde les souffrances que Jésus a vécues jusqu'à Golgotha, on se dit, mais wow, il est allé jusqu'au bout. Il a été flagellé. On a pris des clous de plus de 20 cm. On a mis sur ses mains ici. Ses pieds ont été cloués au niveau des tendons. Cette douleur qu'il a ressentie. Il pouvait s'arrêter en chemin en disant, ah, c'est trop dur. Mais par amour, il est allé jusqu'au bout, frère. Un bon missionnaire est un homme dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Ah, il n'y a même pas un amen ici. Ça me fait peur, hein. C'est que ce que j'ai dit là n'est pas intéressant. Ah, non. J'ai même eu peur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai ici? Oh, gloire à Dieu. J'aime parler de Jésus. Vous savez, c'est une joie de pouvoir comprendre cela. Parce que quand on a compris ces fondamentaux, je vous dis, on réussit dans la mission que Dieu nous donne. On réussit dans l'appel que Dieu nous confie. On réussit. Parce qu'on a les ingrédients qu'il faut. Et donc, comprenons qu'un missionnaire sans amour est un missionnaire qui, déjà, on n'a pas besoin d'être prophète pour dire, toi, tu vas échouer dans ta mission. Sans amour, tu ne peux pas réussir dans ta mission. Alors, pendant que tu es en train de te préparer, je t'encourage déjà à devancer l'aurore et à dire à Dieu, Seigneur, inonde mon cœur de ton amour. Seigneur, laisse que l'amour que tu as répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit puisse se répandre davantage au travers de ma vie. Et que je sois la femme que tu veux que je sois, et que je sois l'homme que tu veux que je sois, et que je sois l'ouvrier que tu veux que je sois. Alléluia. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Il n'y a pas de questions? Ça va? Nous sommes en train de parler des modèles missionnaires et nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous parlons de Jésus. Nous avons parlé de Jésus, le modèle parfait. Nous avons vu ce qu'il a fait, qu'il quitte son confort, ses dépôts, il prend une nature. Pourquoi? Son objectif, c'est de gagner des cœurs à lui. On voit un Jésus qui témoignait, était plein de compassion pour les perdus. On voit un Jésus qui allait vers les pécheurs, pas un Jésus qui reste dans son coin en regardant les autres de haut, mais on voit un Jésus qui va vers. On voit un Jésus qui va vers. C'est important de comprendre ça, mes frères. On ne peut pas être missionnaire sans être au contact des gens. La dernière fois, j'ai dit, il n'y a pas d'impact sans contact.
Je pense que je vous ai même demandé d'écrire cela. Tu ne peux pas avoir d'impact sans contact. Comment tu vas impacter quelqu'un si tu n'es pas au contact de cette personne? Comment tu vas aider les autres si tu n'es pas à leur contact? Comment? Comment des vies vont être transformées si je ne suis pas au contact de ces gens? C'est ce que Jésus nous a montré. On voit un Jésus qui va vers les prostituées. On voit un Jésus qui s'arrête auprès d'une femme samaritaine, alors que les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas. Mais Jésus nous montre le modèle parfait. Il dit, les amis, regardez ce que vous devez appliquer. Ne vous laissez pas influencer et impressionner par la qualité de la vie des gens. C'est triste et encore très triste de voir aujourd'hui combien de fois les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons la pensée de Dieu en nous, nous qui disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui disons que nous sommes pleins d'amour, c'est triste de voir combien de fois c'est nous qui jugeons les pécheurs. C'est nous qui les condamnons. Il faut seulement regarder quand une prostituée arrive. Si une prostituée dit qu'elle arrive un dimanche à l'église, dans sa tenue de prostituée, comment est-ce que les chrétiens vont la regarder? Papa, vous avez déjà fait le constat? Vous avez déjà fait ce constat? Non, pas encore. Papa, vous n'avez pas encore fait ce constat? Elle arrive, nous, on va faire ça. Elle ne sait pas qu'elle est dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on s'habille. Et c'est nous qui commençons à murmurer. Mais elle est païenne. Elle ne connaît pas Dieu. Elle est étrangère à la vie de Dieu que toi tu connais. Mais souviens-toi qu'il y a quelques années en arrière, toi aussi quelque part tu étais païen. On va voir ça dans le prochain point. Jérusalem, notre Jérusalem. Comment on influence d'abord dans notre Jérusalem? En tant que missionnaire, en tant qu'ouvrier de Christ, il faut vraiment qu'on change notre façon de faire. Il faut qu'on change notre façon de faire, frère. Alors que vous êtes ouvrier, tout commence ici. Avant d'aller dehors, c'est d'abord comment vous vous comportez à l'intérieur, dans la maison du Père. Comment est-ce qu'on se comporte en face des perdus? Je me souviens, j'avais pas encore même la mission missionnaire, parce qu'il y a certains qui pensent que c'est quand on est envoyé qu'on commence à manifester les réflexes des missionnaires. Pardon, dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas vrai. Pardon, il faut parler, ma soeur, il faut parler. Dis, c'est pas vrai. Faut dire à ton frère, c'est pas vrai. Mon frère, c'est pas vrai. Papa Paul, faut dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. J'aime quand on communique, hein. C'est un enseignement, c'est pas une prédication. Si on prêche ici, là, je vais sauter ici en haut, personne ne pourra parler. Mais dans un temps d'enseignement comme ça, on est décontracté, ça va, on rigole, on entend le message, on discute, c'est important. Amen. C'est pas vrai. La mission ne commence pas quand on est déjà dans son village, on nous envoie dans un village, on nous dit, bon, allez dans un village, et puis c'est là-bas qu'on commence à être missionnaire. Je suis missionnaire. Je commence à évangéliser. Ah, frère, c'est ici d'abord que ça commence. Comment tu te comportes? D'ailleurs, j'ai envie de nous... Regarde celui qui est à côté de toi, pose-lui une question. Pose-lui la question suivante. Ça fait combien de temps que tu as évangélisé quelqu'un? Tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Pose la question. Posez les questions. Ne vous... Posez les questions. Papa, pardon, il faut regarder ton frère, il faut poser la question, pardon. Ça fait combien de temps que tu as évangélisé? Demande, je vais demander les réponses. Posez les questions. Posez les questions. Ça fait combien de temps tu as évangélisé? C'est quand la dernière fois que tu as évangélisé? Je vais passer mon micro. Je vais passer le micro, hein. Papa, préparez-moi un micro, parce qu'on va passer. Préparez-moi un micro, tout le monde va répondre. Donc, posez la question à votre frère. Il faut que vous ayez déjà les réponses. C'est quand la dernière fois tu as évangélisé, tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'est quand la dernière fois? Je peux avoir un micro? D'accord, merci. C'est quand la dernière fois? Voilà. Hein. On va entendre. Ne mentons pas dans la maison de Dieu. Oh, c'était hier. Si c'est pas, si ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Si c'était il y a 5 jours, il y a 5 jours. Mais dis-nous la vérité. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Bon, je n'ai pas besoin de micro pour vous entendre. On commence. Top chrono. Il t'a dit... Oh. Oh, ça va être intéressant. On est entre nous, ne vous inquiétez pas. Parlons dans ce nous de la famille. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Papa, il t'a dit que c'est quand la dernière... Faut pas mentir. Écoutez, ne mentons pas ici. Disons la vérité. Ah non, si je dis que ça fait 5 ans, on va me voir ici comment? Bon, je vais dire ça fait 5 jours. Ne mens pas. L'esprit qui a fait tomber Ananias, c'est encore là aujourd'hui. Donc si on monte dans la maison de Dieu, on va se voir les gens qui tombent. Ok.
Et puis rappelez-moi les prénoms. Rappelez-moi les prénoms. Mon frère Anon, il t'a dit que c'est quand la dernière fois? Waouh! C'est qui la personne que tu as évangélisée? Un de tes amis. Et c'est quand la dernière fois le frère Arnaud l'a évangélisé? Regardez. Mais posez les questions. Ce n'est pas quand je viens interroger que vous posez les questions. Ah. Début de la semaine. Au début de la semaine. OK. Même ceux qui dormaient se sont réveillés. Vous voyez? Bon, personne ne dormait. Hein? C'est une façon de parler. On y va derrière. C'est quand la dernière fois? Qui l'a évangélisé? Ma soeur. Non, lui, ton frère. Mais attendez. Laissons là-bas les micros. Je vais encore parler. Écoutez. Aide-moi, papa. Personne n'est supérieur. Que ce soit l'enseignant, que ce soit celui qui est assis, nous sommes tous en train d'apprendre. Amen. Alors n'ayons pas honte. Et quand on dit par exemple, poser des questions, ce n'est pas pour jouer. Hein? C'est vrai que j'aime beaucoup la joie. Hein? Moi, on m'appelle pasteur la joie. J'aime beaucoup quand il y a la joie du Seigneur parmi les enfants de Dieu. Mais dans cette joie-là aussi, quand je vous dis poser des questions. D'accord? Quand je dis parler à votre frère, ça aide. Ça vous aide de parler ensemble. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le prénom du frère qui est à côté de vous, demandez-lui aussi. Mon frère, c'est quoi ton prénom? Ah, c'est Arnold. Oh, mon frère Arnold, la dernière fois que tu as évangélisé, c'était quand? Donc, il faut poser des questions. Quand j'arrive, il ne faut pas encore que c'est à ce moment où tu prends le micro pour dire, c'était quand tu as évangélisé? Amen. OK, on y va. Ma soeur, c'est quand la dernière fois qu'il a évangélisé? Lui, ton frère, c'était quand la dernière fois? Faiblesse. C'est quand vous posez des questions, c'est quand la dernière fois que lui l'a évangélisé? Bon, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, je viens ici devant. Frère Paul, c'est quand la dernière fois Marie a évangélisé? Au mois de février. Ma soeur Marie, c'est quand la dernière fois le frère Paul a évangélisé, l'homme de Dieu? Pardon? Jeudi. Mon frère, j'ai oublié le prénom. John, je me souviens, c'est vrai. C'est quand la dernière fois? Elle, c'est pas Marie. Christelle, Marie, c'est elle, non? Marie, je t'ai pas oublié, Marie. Christelle, merci. Alors, John, c'est quand la dernière fois Marie a évangélisé? Il y a 2 mois. Merci, Marie, pour ta franchise. Marie, c'est quand la dernière fois John a évangélisé? 1 mois et demi par là. Mon frère, tu as posé la question à qui? Mais tu te déplaces, frère. Why? Écoutez. N'est-ce pas, non, papa Arnold? Normalement, tu te déplaces. Va voir papa derrière. C'est pas papa qui doit se déplacer. Tu vas vers papa. Papa, on a dit de poser la question. Il n'y a personne à côté de moi. C'est quand la dernière fois? Voilà. Alors, je reviens ici. Ma soeur. Ah, c'est pas une dissertation. C'est seulement une réponse. Oui, mon frère. C'est quand la dernière fois? Elle a dit que elle a évangélisé hier soir aux réseaux sociaux. Elle chattait avec les gens. C'était qui qu'elle a évangélisé? C'était qui, maman? Tu as évangélisé qui? Tu as parlé de l'amour de Dieu à qui? J'ai répondu à des questions sur WhatsApp parce que j'ai posté quelque chose sur mon statut. Mm-hmm. Et les gens ont commenté et du coup, ils ont commencé à me poser des questions et tout. Et aussi, j'avais écrit « Posez-moi des questions ». Je répondrai à toutes vos questions. Et la plupart des questions que les gens me posaient, c'était basées sur... Christ, les corps du Christ, pourquoi tant de souffrance et tout, et moi je répondais. Ok, merci. C'est quand la dernière fois lui il a évangélisé? Lui il dit ça fait je crois 2 semaines. 2 semaines, merci. Le prénom? David. Ah, papa David. Tous mes respects, papa David. Et là le prénom? Votre prénom à vous? Moi, mon nom, oui. Mehdi. Mehdi, ok. C'est quand la dernière fois papa a évangélisé? Ça fait 5 jours. D'accord. Papa, c'est quand la dernière fois notre frère a évangélisé? Il m'a dit que c'était avant-hier. Avant-hier, gloire à Dieu. Ça fait du bien, hein? Vous voyez que ça fait du bien, non? Voilà. Et ça nous emmène à donc comprendre combien de fois c'est important. L'esprit de la mission ne commence pas quand on est en mission. C'est dès maintenant que les réflexes doivent se réveiller.
C'est maintenant que la pensée de la mission, la pensée de partager le message de Christ doit se faire. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, j'ai l'esprit missionnaire, je suis missionnaire, j'attends qu'on m'envoie. J'attends qu'on m'envoie. J'attends qu'on m'envoie. Ah, on ne m'a pas encore envoyé. Donc, non. Le message est déjà en nous. Et nous avons la responsabilité de le partager autour de nous. Il y a quelqu'un, il y a un témoignage que j'ai entendu quand j'étais très jeune, d'un jeune homme qui avait pris une résolution. Il avait dit à Dieu, Seigneur, ne permets pas qu'une journée ne termine sans que je ne parle de toi à quelqu'un. Et un jour, il dit, la journée était en train de s'achever, il avait eu beaucoup de choses à faire, et puis il avait oublié cette prière qu'il avait faite à Dieu. Et il était 23h30 par là. Et là, le Saint-Esprit lui rappelle que tu avais dit que la journée ne doit pas finir sans que tu n'aies parlé de Jésus à quelqu'un. La journée est en train de finir, qu'est-ce que tu fais? Il s'est levé. Oh, bonjour papa, content de vous voir, ça va? Il s'est levé et il est allé dans la rue. Et ce jour, il pleuvait. Il court, il cherche des gens, il ne trouve personne dehors. Vous savez, quand il pleut, tout le monde est chez soi. Il court, il cherche, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il court, il n'y a personne à qui il va parler de lui. Il était mal dans son cœur. 23h45, la journée va s'achever. Il n'y a personne dehors. Seigneur, fais que je rencontre quelqu'un. Seigneur, fais que je rencontre quelqu'un. À 23h50, il rencontre un jeune homme assis comme ça au bord de la route. La main comme ça. Il arrive en courant. Il est tellement heureux déjà de voir quelqu'un qui commence à l'embrasser. Que Dieu vous bénisse. Donc le monsieur, le jeune homme est étonné. Qu'est-ce que c'est? Il est étonné par tant d'amour qu'on lui témoigne. Il dit, je ne savais pas que j'étais autant aimé. Et la personne lui dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis, la personne commence à lui dire, en fait, vous êtes précieux pour Dieu. Vous êtes tellement précieux pour Dieu que Dieu m'a dépêché dans la pluie pour venir vous dire qu'il vous aime. Et il a un plan pour votre vie. Et pendant que le jeune homme était en train de lui parler, il a éclaté en sanglots. Parce qu'il était assis là. Il voulait se suicider. Il avait dit, c'était fini pour lui. Personne ne l'aimait, personne ne se souciait de lui et personne même d'ailleurs ne serait venu sous la pluie pour se soucier de lui. Donc pour lui, le fait que je sois sous cette pluie-là, personne ne va venir me chercher ici. Donc mieux, je viens seulement mourir à cet endroit avec son cachet, comment dire, sa boîte de médicaments qu'il devait prendre et sa bouteille d'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il était assis là au bord de la route et quelqu'un à ce moment vient lui témoigner de l'amour. Vous savez, Dieu n'attend que des ouvriers qui sont disponibles pour aider, délivrer, guérir, sauver. Dieu n'attend que des personnes disponibles. Donc, à ceux qui ont fait 2 mois, pardon, revoyez ça. Chaque jour, on doit parler de Jésus. Chaque jour, on doit témoigner de l'amour de Dieu. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit quand à côté de nous, un voisin, parlons de Jésus parce que nous sommes des missionnaires. Nous avons la responsabilité, par la grâce de Dieu, de communiquer la pensée de Dieu aux hommes. Alléluia. N'attendons pas demain. Et j'étais en train de prendre un exemple. Je disais, Jésus-Christ nous a montré le modèle parfait. Jésus-Christ ne s'est pas éloigné des pécheurs. Il allait vers les pécheurs. Un missionnaire n'est pas quelqu'un qui trie les personnes auprès de qui il doit aller. Un missionnaire ne peut pas trier. Un ouvrier de Dieu ne peut pas trier. Il ne peut pas dire, le frère Paul, quand je vois son visage, non. Non, lui ne mérite pas que je lui parle de Jésus. Le frère Arnold, non, il a un bon visage, on est un ange. Ok, je vais aller lui parler. Non, c'est pas ça. Va vers. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et c'est Dieu qui veut sauver le cœur, ce n'est pas toi. Toi, ta responsabilité, c'est d'aller vers. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta responsabilité, c'est d'aller vers. Donc, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu n'as pas parlé de Jésus. Non, commence dans ton Jérusalem. Commence dans ton Jérusalem. Prends une résolution, Seigneur, à partir de maintenant, chaque dimanche, il faut que je vienne avec quelqu'un dans ta maison. Seigneur, donne-moi cette force. Seigneur, dispose des personnes. Frère, la Bible dit la moisson est... Il y a peu d'ouvriers, il n'y a pas d'ouvriers. La moisson est là, il y a des drogués ici, il y a des drogués ici. Il y a des drogués dehors, il y a des gens qui sont en train de marcher là, ils n'ont pas Jésus. Alors, on peut prendre une décision. À partir de maintenant, moi, je décide que... Je vais emmener quelqu'un chaque dimanche. Ça te prépare déjà au travail de la mission. Ça te prépare au terrain. Ça t'équipe, ça te donne de prier. Ça te donne de développer des stratégies. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne à écouter la parole. Alléluia. Il y a quelques années, je venais de perdre mon père. Et on a déménagé. Nous sommes allés habiter dans un quartier.
un quartier, il y avait beaucoup de drogués. Je suis arrivée dans ce quartier et puis j'ai observé le quartier. J'ai regardé, j'ai constaté que dans ce quartier, les jeunes étaient adonnés au vin, à l'alcool, à quoi encore, à l'impudicité, à la drogue. Alors j'ai fait un travail d'inspection, de prospection, pardon. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai commencé à prier pour le quartier. Seigneur, tu m'as envoyé dans ce quartier, je suis un ambassadeur, je suis la lumière. Comment ce quartier peut changer parce que je suis arrivé ici? Seigneur, donne-moi ce quartier. Seigneur, vous savez, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que moi-même, je n'étais pas encore consciente que j'avais un appel pour la mission. Mais déjà, des réflexes étaient là, voyez? Et c'est ça, un missionnaire. Quand tu arrives quelque part, les choses doivent changer. Alléluia. Jésus est arrivé dans le monde a été bousculé. Le monde n'a plus été le même. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauveur qui est arrivé. Et nous, nous sommes la lumière. Nous sommes des serviteurs de Christ. Donc quand on arrive quelque part, dans une famille, dans une maison, dans un endroit, dans un quartier, frère, les choses doivent bouger. Parce que nous sommes la lumière. Alléluia. Le modèle parfait nous l'a présenté. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, donne-moi ce quartier. Seigneur, montre-moi. Alors, j'ai fini de prier, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à aller vers les jeunes garçons du quartier. Et il y a un monsieur qui connaissait mon papa, qui m'a un jour appelé. Il m'appelle, ma fille, viens. Alors je m'approche, il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien, papa. Il me dit, je connaissais ton père. Ton père était un homme bien. Mais comment sa fille peut se retrouver aujourd'hui au milieu des garçons comme ça, des drogués? Et puis, tu te trouves une jeune fille seule au milieu des garçons comme ça. Ce n'est pas bien pour ta réputation. Tu es une femme. Fais attention, hein, ceci, cela. C'était légitime ce qu'il me disait. Mais vous savez, de fois, ce qui est légitime n'est pas ce qui est vrai. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce qui est légitime, souvent, n'est pas ce qui est aussi vrai pour nous qui sommes enfants de Dieu. Si on veut rentrer dans l'ordre des choses, on passe à côté du programme de Dieu. Amen. Et j'ai répondu à ce papa. J'ai dit, papa, c'est vrai ce que vous dites. J'ai dit, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la responsabilité d'apporter la lumière à ces jeunes-là. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'être touchés par l'amour de Dieu. Ils ont besoin d'être transformés par l'amour de Dieu. Si moi qui est la lumière, qui suis la lumière, je ne vais pas vers eux, qui ont les ténèbres, mais comment la lumière va arriver vers eux? Comment? Ce sont des drogués, ok. Toi, tu es un étudiant, ok. Mais comment toi, en tant qu'étudiant, tu peux aller vers les drogués? Comment est-ce qu'on peut sauver les tchégués ou les chégués? Les chégués. Comment on peut les aider? Comment ils peuvent être au contact de l'évangile? Comment, Seigneur? Il faut qu'on se pose des questions. Comment? Parce qu'eux aussi, ce sont des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Christ est mort pour eux. Parce que nous avons le cœur de Dieu, nous ne pouvons pas rester insensibles face à ces personnes qui n'ont pas le Seigneur. Les amis, ce quartier a été bouleversé. Les drogués ont donné leur vie à Jésus. On m'a même donné une maison dans ce quartier pour faire une cellule. Les gens venaient adorer Dieu. C'était émouvant de voir comment des gens levaient les mains vers le ciel. Ils avaient la drogue sur le. Mais comment, dans la présence de Dieu, ils pleuraient et ils disaient, Seigneur, sauve-moi de ma drogue. Ce sont des moments qu'on ne peut pas comprendre. Il faut vivre ça. Chers missionnaires, je parle à des missionnaires ce matin. Je parle à des hommes que Dieu mandate. Je parle à des hommes qui ont le cœur de Dieu. Je parle à des hommes qui ont la responsabilité de faire descendre le ciel sur la terre. Je parle à des hommes qui ont reçu le mandat de réconcilier les hommes avec Dieu. Je parle à des gens qui ont reçu la responsabilité de partager le modèle parfait qu'ils ont reçu du ciel. Aller vers les drogués, aller vers les prostituées, aller vers les gens de bonne vie, aller vers les gens de mauvaise vie. C'est maintenant qu'on commence à comprendre ces choses. On n'attend pas d'être en mission. On n'attend pas d'être envoyé quelque part pour développer cette nature-là. C'est maintenant qu'on développe cette nature. Alléluia. Alors que nous sommes ici, développons cette nature. Gagnons des hommes à Jésus. J'ai envie qu'on marque une pause, qu'on prie. Je veux que tu restes assis de là où tu es. Et je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, augmente en moi la passion pour les perdus. Je veux que pendant quelques minutes seulement, tu parles à Dieu. Dans le calme de sa présence. Dans le calme de sa présence, je veux que tu parles à Dieu pour toi et lui. Tu dis, Seigneur, je veux gagner des âmes à toi. Renouvelle-moi. Fais descendre sur moi une fraîche onction. Renouvelle mon amour pour les perdus.
ne donne point de sommeil à mes yeux. Je veux gagner des âmes à toi. Je veux commencer dès aujourd'hui. Je ne veux pas attendre d'être envoyé pour commencer. Je veux commencer aujourd'hui. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, ouvre mes yeux vers ceux qui ont besoin de toi. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Pendant quelques minutes, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux demander qu'il te touche, qu'il renouvelle ton désir de travailler de mieux en mieux pour son œuvre, pour son nom? Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, mon frère ici présent, ma sœur ici présente a besoin de toi qui est le modèle parfait du missionnaire. Toi qui nous as montré c'est quoi la mission, c'est quoi aimer les perdus. Toi qui nous as montré le cœur du Père pour les perdus. Seigneur, nous voulons être à ton image. Nous voulons imiter le modèle que tu as été. Alors aide-nous à être le sel de la terre dans notre quartier, dans notre maison, dans notre environnement. Aide-nous à manifester l'amour que tu as pour ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas. Seigneur, attire nos pieds, Seigneur, vers les perdus. Ah, vers ceux que la société a rejetés. Vers ceux que la société ne considère pas. Vers ceux que la société pointe du doigt. Seigneur, vers ces hommes et ces femmes qui sont dans des loges, qui sont athées, prostituées, droguées. Ces hommes et ces femmes qui sont désespérés. Ces hommes brisés, détruits par la vie. Seigneur, Seigneur, que chacun d'entre nous ce matin reçoive un nouveau manteau, un nouveau feu, un nouveau zèle, une nouvelle capacité. Seigneur, touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin. Touche-nous ce matin, change-nous ce matin et donne-nous, Seigneur, un peu plus de force, un peu plus d'amour pour ton œuvre, pour ton nom, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que plus qu'un cours, c'est une rencontre avec toi. Et nous voulons que nous soyons embrasés par ton feu, que nous soyons motivés, poussés par ton esprit, que nous soyons des ouvriers sur qui tu peux compter. Que chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, reçoive ce feu, cet amour pour les perdus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors que nous parlons du feu, je voudrais maintenant mettre en exergue un point important dans la mission. Dieu est un Dieu missionnaire. Ce que nous avons vu, c'est que le Père a envoyé le Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Et Jean chapitre 15, verset 26. Et Jean chapitre 16, verset 7. Le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, le verset 26. Et Jean chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16, Jésus parle, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Vous le connaissez, il ne le voit point, pardon, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voici ce que je voudrais, l'autre point que j'aimerais toucher. Alors que nous sommes toujours en train de parler des modèles missionnaires dans le Nouveau Testament, nous avons parlé de Jésus. Maintenant, nous avons parlé de Christ qui est le message que nous devons prêcher. Et un autre point qui est important, c'est le Saint-Esprit, notre compagnon de toujours. Dans la mission, on ne peut pas faire la mission sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend capables dans la mission qu'il nous confie. Même Jésus a eu besoin d'être revêtu. Il n'a pas commencé sa mission, et voilà. Non. On voit un Jésus qui va dans le désert pour être tenté par le diable. Et on le voit revenir revêtu de la puissance d'en haut. Et c'est à ce moment que sa renommée se répand. Frère, sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire la mission de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire la mission. Dieu a envoyé Jésus. Jésus, Dieu et le Père et le Fils nous ont envoyé le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans l'église, avec l'Église. Allons dans Actes chapitre 1. Allons dans Actes chapitre 1. Bientôt, nous allons faire nos groupes. Hein. Dans quelques minutes, nous allons avoir nos temps de groupe rapidement. Actes chapitre 1, le verset 4. Acte chapitre 1, le verset 4, verset 8. Acte chapitre 1, le verset 4 au verset 8. Acte chapitre 1, le verset 4 et le verset 8. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes envoyés. Et vous serez mes fidèles témoins. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire la mission. Frère. Et ce qui est bien, c'est que ils avaient besoin de recevoir le jour de la Pentecôte. Mais nous, aujourd'hui, j'ai envie de poser même une question. Je ne vais pas la poser, c'est bon. À quel moment on reçoit le Saint-Esprit? À quel moment on le reçoit? Est-ce qu'on doit attendre comme les apôtres? On vient ici, la chambre haute, Seigneur, envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Non. Aussitôt, nous confessons, dès que nous avons confessé Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Aussitôt, nous l'avons confessé, il habite, il est là. Il est déjà présent. Le Saint-Esprit vient attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il atteste, nous sommes enfants de Dieu. Donc nous l'avons déjà en nous. Nous devons être conscients qu'il est là. Nous devons apprendre maintenant à lui obéir pour être utile dans la mission. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole ne peut pas être utile dans la mission. Je suis désobéissant à la parole, mais je veux que Dieu m'utilise par son esprit. C'est impossible. C'est pourquoi on doit être en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a été poussé, Jésus a été poussé dans le désert pour être tenté. Donc le Saint-Esprit envoie Jésus dans le désert. L'objectif c'est que Jésus soit tenté par le diable. Donc des fois le Saint-Esprit peut nous pousser à vivre, peut nous pousser qu'on aille dans un désert pour qu'on vive des épreuves dans ce désert-là. Le Saint-Esprit peut nous pousser. Alors quand on se retrouve dans le désert, comment est-ce qu'on est? Comment on vit? Comment on se manifeste? Comment on vit le désert? Comment on fait confiance à Dieu dans le désert? Comment on apprend à obéir à Dieu dans notre vie chrétienne? Cette obéissance va nous aider dans notre mission. Frère, écoutez, l'église, c'est un... J'aime dire que l'église, c'est un endroit de transformation. On vient ici pour être transformé, pour être envoyé. Amen. Et on vient ici pour recevoir l'instruction, pour être envoyé. On vient ici pour recevoir l'instruction, pour être envoyé. On vient ici pour être formé. Donc, il nous forme à cet endroit. Il nous donne un ensemble de rudiments, d'informations, pour que ces informations transforment notre façon d'être. Fassent de nous des ouvriers obéissants. Des ouvriers utiles pour la mission. Ce que je reçois ici va m'être utile dehors. C'est pourquoi j'ai besoin de comprendre que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire la mission de Dieu.
Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas être utile dans la mission. Dans les modèles missionnaires, nous voyons donc que le Saint-Esprit est le compagnon par excellence dont nous avons besoin. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non, ils ont envoyé l'Église vers les peuples. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit envoient maintenant l'Église. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qui va descendre du ciel pour venir. Aujourd'hui, ce n'est plus le Saint-Esprit comme vous avez besoin de lui, les disciples. Non, il est déjà là. Il travaille déjà dans le monde. Mais il travaille par qui? Par l'Église. Et la Bible dit que l'Église est son représentant sur la terre. Et sa colonne, sa vérité sur la terre. L'Église. Donc par l'Église, maintenant, Dieu envoie des hommes. L'Église doit aller vers les peuples. Aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu le mandat de la mission. La mission aujourd'hui se repose sur l'Église. C'est pourquoi l'Église, qui, je vous l'ai dit le premier jour, une Église qui n'est pas missionnaire, elle est... Merci papa. Tu étais là le premier jour. Tu te souviens de cette phrase? Une Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Il faut comprendre ça. Parce que aujourd'hui, nous sommes envoyés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il envoie l'Église. Il envoie l'Église. Il envoie l'Église. Et l'Église, c'est mon frère Paul, c'est moi, c'est mon papa ici, c'est papa derrière, c'est mon frère. Donc c'est nous, cette Église, qui est envoyée vers les peuples. Nous sommes envoyés vers les peuples. Nous sommes envoyés vers les peuples. Je voudrais vous lire quelque chose avant qu'on ne fasse des groupes. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà à plus de 7 milliards d'individus dans le monde? Et dans ce monde, plus de 3 milliards de personnes vivent sans connaître Jésus. Dans le monde où nous sommes, plus de 3 milliards de personnes vivent sans connaître Jésus. Les gens ne connaissent pas Jésus. Frère, j'ai envie que chacun de nous ici présents comprenne que Dieu va nous demander des comptes. Donc, Dieu va demander des comptes à tout le monde. Le caméraman qui est là, le photographe, les jeunes ici, papa derrière, nous les tous les serviteurs que nous sommes. Dieu nous demandera des comptes. Il dira, plus de 7 milliards, voici le nombre de personnes que toi tu devais gagner. Mais tu dormais, tu t'amusais, tu te préoccupais de ta vie. Dieu va te montrer, regarde, le travail que tu devais faire. Mais tu t'es laissé, c'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous préoccuper des choses de la terre. Comment je vais manger, comment je vais dormir, comment je vais me marier, comment je vais trouver un emploi. Ne te préoccupe pas de ça parce que ton Père sait que tu as besoin de ça. Lui il te dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il faut que le royaume s'étende, il faut que le royaume s'établisse sur la terre. Frère, c'est par l'Église que le royaume doit s'établir, c'est par l'Église que le royaume doit s'établir dans les nations, dans les peuples. Il y a plus de 3 milliards de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Combien de personnes au Congo? C'est pourquoi un missionnaire ne doit pas être distrait par les futilités de la vie. Un ouvrier, la Bible identifie l'ouvrier à un athlète ou bien un soldat pour montrer que l'athlète, il veut gagner la course, il ne doit pas se munir de tout et de n'importe quoi. On nous dit qu'aux Jeux olympiques, ce n'est pas interdit que les coureurs utilise de la nourriture ou bien de l'eau qu'il les ait en main pour courir ou quoi. Non, ce n'est pas interdit, tu peux prendre ça. Mais pourquoi ils ne le prennent pas? Parce que ça va retarder les gens dans leur course. Donc, ils se préparent mentalement, ils se préparent moralement, ils se préparent physiquement pour courir dans la carrière qu'on leur a ouverte, pour courir dans leur couloir. Ils se préparent. Alléluia. Frère, quel genre de missionnaire es-tu? Quel genre d'ouvrier es-tu? Est-ce que tu te prépares pour être utile à Dieu? Est-ce que tu te préoccupes? Ah, je vais manger quoi? Je vais dormir comment? Je vais m'habiller comment? Non! J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, non! Ne te préoccupe pas de ces choses. Ton Père sait que tu en as besoin. Ton Père sait que tu as besoin d'aller à l'école. Ton Père sait que tu as besoin d'aller à l'université. Ton Père sait que tu as besoin d'aller te trouver un emploi. Ton Père sait que tu as besoin de te marier. Il sait ces choses. Mais il te dit ce matin, sois un ouvrier discipliné, préparé, qui se préoccupe d'abord de son cœur. Le cœur de Dieu bat pour les perdus. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le cœur de Dieu bat pour les perdus. Le cœur de Dieu bat pour les perdus. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont compris les battements du cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu, j'aime le dire quand je parle, j'aime dire que le cœur de Dieu bat au rythme des perdus. Donc quand ton cœur fait
Le cœur de Dieu fait Mais il faut que les gens comprennent le cœur pour travailler, pour que ce cœur-là, ce cœur arrête de faire trop Mais Dieu compte sur toi, mon frère Arnold. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur papa Paul. Dieu compte sur nous. C'est pourquoi, s'il vous plaît, soyons des ouvriers focus. Je regarde au but, à l'objectif. Les âmes doivent rencontrer. Vous savez, quand vous êtes tellement connecté au cœur de Dieu, vous oubliez même les problèmes. Vous savez, vous oubliez tout ce que vous avez comme difficulté, comme problème. Ça, ce n'est pas moi qui me charge de ces choses. Dieu sait que j'en ai besoin. Quand vous vous occupez des choses de Dieu, je suis sûr que beaucoup parmi vous ont des merveilleux témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie, parce qu'ils se sont préoccupés des choses de Dieu. J'ai envie de te dire, continue dans ce couloir, parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont compris qu'il y a 3 milliards de personnes qui ne le connaissent pas encore. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a plus de 7000 langues qui n'ont pas encore entendu parler de Christ dans le monde. Donc il y a des gens, il y a des peuples. Est-ce que vous savez qu'il y a ici dans le Congo, l'année dernière, quand nous sommes allés en mission, nous sommes allés dans un village. Nous sommes arrivés avec le pasteur, j'étais avec mon ami, le pasteur Zita, et un autre missionnaire qui nous accompagnait. Et puis on était en train de partager l'amour de Dieu, on parlait de Jésus. Et on a posé la question à un jeune homme, est-ce que vous connaissez Jésus? Il nous a dit, Jésus c'est qui? Sérieusement, il ne savait pas Jésus. Pour lui, on a dit, Yesu. Il dit, Yesu. Yesu c'est qui? Dans le Congo, il y a des gens qui ne savent pas qui est Jésus. Frère, on a du travail. Écoutez, église, on a du boulot. On a du... Ah, Seigneur. On a du travail. J'aimerais ce matin déposer le cœur de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Te dire que Dieu compte sur toi et ne te préoccupe pas de toi. Préoccupe-toi des choses de Dieu. Tu ne peux pas être un missionnaire et t'occuper de tes affaires. Et puis, je m'occupe de mes affaires, mais puis je m'occupe de Dieu. Maman, il dit, on ne peut pas servir de maître à la fois. Sers Dieu et lui s'occupera de tes affaires. Vous savez, j'aimerais vous encourager ce matin. Je suis une jeune femme, j'ai donné ma vie à Jésus très jeune. Et très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à vraiment aux choses de Dieu. Quand j'ai lu la Bible, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu s'intéressait vraiment à sauver des hommes et des femmes. Et j'ai commencé à travailler dans l'évangélisation et dans ces choses. J'ai fini mes études universitaires. J'ai fait de longues études universitaires. Et ma jumelle a continué jusqu'au doctorat. Moi, je me suis arrêtée à un master. J'ai eu 2 masters. Et après, je m'apprêtais à aller dans le monde de l'emploi quand Dieu m'a dit, Gaël, arrête, tu ne vas pas travailler pour le monde, tu vas travailler pour moi. Et moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, je suis une femme, je ne suis pas mariée, entre guillemets, comment je vais vivre? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Je dis, mais c'était une équation quand même difficile pour moi parce que, voilà, c'est waouh. En fait, c'est comme si on te jette à la merci du monde. Mais Dieu te dit, vis pour moi, travaille pour moi. Les amis, vous savez, servir Dieu, c'est travailler dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit sans la foi. Je veux revenir sur ça. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. J'aimerais, au travers de ce témoignage, encourager quelqu'un sérieusement à quoi qu'on sert un Dieu responsable qui récompense le travail de ses enfants. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler dans la mission. J'ai commencé à investir. C'est-à-dire, je ne sais pas, si vous me posez la question, pasteur, comment tu fais donc pour vivre? Je ne sais même pas comment je vis. Mais ce que je sais, c'est que je suis assise devant vous aujourd'hui, je vis. Je vis, papa. Je vis. Et quand je vis, je vis. Comment je vis? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vis. Je vis, je mange, je m'habille, je vais à l'église, j'ai de l'argent pour mettre de l'argent pour mettre quelque part, j'ai ceci, j'ai des projets. Je vis, mais comment ça se fait? J'ai compris avec le temps que ceux qui s'occupent des choses de Dieu, Dieu s'occupe de leurs choses. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je vois beaucoup de jeunes parmi nous, les jeunes. Servons Dieu. J'ai envie d'encourager cette église, les jeunes qui sont ici. J'ai envie de te dire, sers Dieu. Engage-toi. Le problème souvent avec les jeunes, c'est que on est un pied dedans, un pied dehors, ou bien des fois on est tiède. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Dieu, avec Dieu, c'est mieux même de ne pas être avec lui, parce qu'il préfère que tu sois chaud ou froid. Si tu es tiède, il te vomit.
C'est-à-dire que tu vis une vie chrétienne nonchalante, hein? Tu ne respectes rien, tu n'as pas de principe, tu ne viens pas à l'heure au culte, tu ne sers pas Dieu avec zèle, avec sérieux, avec discipline. On te confie une tâche, une petite tâche, tu n'arrives pas là. Donc, dans les petites choses, tu n'es pas fidèle, mais tu veux que Dieu te rende un grand missionnaire qui va faire de grandes choses avec Dieu. Non, Dieu commence d'abord dans les petites choses. C'est ici dans ta Jérusalem que Dieu te forme. Parce que si tu n'es pas fidèle ici, quand on te confie le verre, la bouteille d'eau, à tous les jours à 8 heures, tu dois avoir cette bouteille d'eau ici. Mais même dans ça, tu n'es pas fidèle. Frère, tu ne vas jamais être fidèle à la mission que Dieu te confiera. Jamais. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ouvre cette parenthèse pour dire, sois fidèle dans les petites choses et Dieu te rendra fidèle dans de grandes. Préoccupe-toi des affaires de Dieu. Sers Dieu. Dieu s'occupera de toi. Et au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est ce Dieu que nous servons. Amen. On va faire quelques minutes. Discussion, quelques minutes. Comme on le fait d'habitude, je veux que vous discutiez ensemble. Qu'est-ce qui vous marque dans ce qu'on a dit depuis ce matin? Personnellement, qu'est-ce que tu retiens? Discutez pendant quelques minutes entre vous. Les quatre d'ici, les deux du derrière, les trois du devant, les trois de là. Voilà. Top chrono. Photographe. Discutez, s'il te plaît. Discutez, voilà, quelques minutes seulement. Mais attends, photographe, c'est mon frère, hein, donc n'ayez pas peur.